Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Les militaires qui ont pris le pouvoir depuis plus d'un mois ont exigé le départ de M. Sylvain, l'ambassadeur de France au Niger, le vendredi 25 août 2023. En réponse à cette demande, le président français Emmanuel Macron a refusé catégoriquement le lundi 28 août que son ambassadeur quitte le sol nigérien sous prétexte que les autorités actuelles du Niger souffre d'un déficit de légitimité et de légalité. Pour les autorités nigériennes, l'ambassadeur français est tout simplement persona non grata. Pour rappel, le Niger a connu une rupture constitutionnelle le 26 juillet 2023, des suites d'un coup d'État perpétré par le général Tchani, chef de la garde présidentielle. Il retient en otage le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Depuis cette date, les nouveaux maîtres des lieux du Niger font feu de tout bois et refusent de libérer le président Mohamed Bazoum. Si lui-ci refuse également de reconnaître les nouvelles autorités et se considère encore comme le président légitime du Niger parce qu'il avait été élu et est en train de poursuivre son mandat que le peuple souverain lui a donné le 2 avril 2021. Les poutistes nigériens, dans leur marche à reculons, font non seulement subir à ce pays sahélien sans littoral et pauvre des sanctions sévères de la CEDEAO, mais aussi expose le pays à une probable intervention de la même organisation sous-régionale. Comme si ceux-ci ne suffisaient pas, ils veulent entraîner une frange de la classe politique et du peuple dans leur sillage pour se faire une centaine légitimitaire. À cet effet, deux grandes manifestations populaires ont eu lieu à Niamey en guise de soutien au coup d'État, pourtant considéré comme le plus stupide. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.